Bonjour, on se retrouve pour une séance de découverte du Qigong. Je vais vous proposer quelques exercices simples de Qigong pour vous aider à libérer vos tensions si jamais vous restez longtemps en position assise pour travailler. Éviter que les tensions s'accumulent, les libérer avant que ça fasse mal, et puis pour vous aider à vous ressourcer si vous êtes dans un travail intellectuel. On va commencer avec un petit exercice pour mobiliser les genoux. Donc vous rapprochez les pieds, posez les mains sur les genoux, décrivez des cercles avec les genoux solidaires en veillant à ne pas décoller la plante des pieds. Changez de sens. On poursuit en séparant les genoux, on plie devant, on ouvre, on rassemble derrière. Changer de sens. Revenez. Plier un peu les genoux, dérouler le dos pour revenir à la verticale. On poursuit avec un petit exercice pour solliciter, assouplir un peu les membres et en même temps pour faire travailler les muscles des jambes. Vous asseyez sur la jambe arrière, la jambe avant est allongée, le pied est flex pour étirer l'arrière de la jambe avant et vous asseyez, puis vous passez tout le poids du corps sur la jambe avant. Poussez, ouvrez, poussez externement vers l'avant, ouvrez la poitrine, ouvrez la gorge, étirez la cheville arrière. Expire, on s'assied. Inspire, on monte devant. La même chose de l'autre côté. On poursuit maintenant avec des exercices pour la nuque. Vous veillez à avoir les pieds parallèles, les genoux déverrouillés, c'est-à-dire pas bloqués à l'arrière. La nuque est étirée dans le prolongement du dos, le regard à l'horizon. Sur l'expire, vous lâchez doucement la tête vers l'avant de manière à mobiliser les cervicales. En inspire, vous ramenez le regard à l'horizon. À l'expire, vous lâchez la tête vers l'arrière sans forcer. On inspire, vous ramenez le regard à l'horizon. Sur l'expire suivant, vous suivez l'horizon du regard vers la droite. On inspire, vous ramenez le regard à l'horizon. Et sur l'expire suivant, vous tournez en suivant l'horizon du regard vers la gauche. Répétez encore deux fois dans chaque sens. On va maintenant détendre les épaules, fléchissez un peu les genoux, les épaules bien lâchées.
Montez les épaules devant en allongeant les genoux. Descendez les épaules à l'arrière, c'est-à-dire en resserrant les omoplates et en fléchissant les genoux. Vérifiez que les épaules soient bien basses et revenez dans l'autre sens. Montez à l'arrière. Descendez devant. Veillez à synchroniser les genoux avec les épaules. Poursuivez avec un exercice pour détendre un peu les lombaires. Vous placez les mains derrière le bassin. Reculez le bassin en essayant de garder l'alignement entre le bas du dos et le bassin. Puis décrivez des cercles avec le bassin, gardant les genoux allongés de manière à mobiliser le bas du dos. Changez de sens à chaque fois que vous passez à l'arrière. On poursuit toujours pour la zone de la taille, du bas du dos, l'ensemble du dos, pour mettre une torsion. Et en même temps, ça va travailler, continuer à travailler sur les membres supérieurs. Vous placez les poings fermés de chaque côté de la taille. Ouvrez la main droite, poussez-la vers l'avant, tirez le côte gauche vers l'arrière en regardant par-dessus votre épaule gauche, de manière à mettre tout le dos en tension. Revenez de face. Puis vous changez de côté. On cherche à ce que les épaules soient le plus possible de profil. Expire pendant le mouvement. Inspire au retour de face. On poursuit avec un exercice qui va continuer à travailler sur la nuque, les épaules et l'ensemble du dos. Croisez les mains devant l'entrejambe, le regard posé sur les mains. Montez les mains au-dessus de la tête, sans encombrer le dos. Ouvrez les bras, paume vers le ciel, regard toujours au ciel. Puis vous pliez le buste en gardant l'alignement du dos. Lâchez les bras, la tête. Recroisez les mains de nouveau, remontez jusqu'au-dessus de la tête. Inspire. Expire. Quand vous terminez, vous fléchissez un peu les genoux. Pour dérouler le dos et revenir à la verticale tranquillement. On finit avec quelques exercices qui mettent un peu plus l'accent sur la visualisation, qui vont viser à travailler plus sur l'état émotionnel et mental. On commence toujours avec les pieds parallèles, les genoux franchement fléchis, comme si on était assis sur un grand ballon. On pose les mains devant soi, les bras ne sont ni tendus ni pliés près du corps.
On imagine à chaque expire qu'on expire par la paume des mains, tranquillement, sans forcer. Vous lâchez doucement les bras, vous imaginez que vos doigts sont beaucoup plus longs que dans la réalité. Et à l'inspire, imaginez que vous récupérez les toxines dans tout le corps à partir des pieds. À l'expire, vous expulsez toutes les toxines par la paume des mains et le bout des doigts. On passe au geste complémentaire, à l'inspire, montez les bras par les côtés jusqu'au-dessus de la tête. Imaginez que vous accumulez de la lumière entre les mains. À l'expire, vous pointez les majeurs pour faire rentrer cette lumière par le sommet du crâne, puis vous accompagnez cette lumière tout le long du corps, comme si votre corps était creux, jusqu'au bout des pieds. Inspire. Expire. Encore une fois. Placez les mains l'une sur l'autre sous le nombril, fermez les yeux. Focalisez toute votre attention sur la respiration abdominale. Puis lâchez doucement les bras le corps et ouvrez le regard sur un inspire. Voilà, on a terminé cette petite séance. J'espère que si vous ne connaissiez pas le Qigong, ça vous a donné envie de découvrir un peu plus. N'hésitez pas à répéter le mouvement un peu plus de fois en fonction de vos besoins. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de répéter ça régulièrement à la journée. Voilà, prenez soin de vous. Au revoir.